Et bonjour, bienvenue dans Full Set Mega Drive. Donc ce soir, on va tester Bloodshot. Alors c'est une grosse surprise, c'est un jeu que je ne connais absolument pas. Donc on va voir, je suis ravi, je viens de voir que c'était un FPS. Il semblerait donc que ce soit un clone de Doom, donc c'est un FPS avec labyrinthique, développé par Domark, un studio anglais. Alors pareil, j'ai fait quelques recherches. Ça paraît d'être la joie. Ils ont fait des adaptations diverses de jeux James Bond, du coup. Je crois que c'est Vivre et laisser mourir. Ils ont fait également comment dire, du jeu de société ou alors de l'adaptation de Desert Strike. Voilà, je suis. Ouais, je suis un peu dubitatif, même on voit les sprites, on dirait un peu, ouais, vraiment, vraiment, ça a l'air d'être du Doom. Le scénario, on est en 2049, des extraterrestres ont envahi la base terrestre sur la Lune de Yaz-67. Alors c'est très compliqué, il y a un pavé comme ça sur le scénario, je vois pas l'intérêt. On a réussi à battre les extraterrestres, mais il y a eu un accident avec leur ordinateur et ça attire encore plus d'extraterrestres. Donc on va voir vite fait les options. Non, j'ai lancé le jeu, tant pis. Alors, donc, on a le FPS qui est comme ça. Alors, je suis pas un expert de FPS en 16 bits. Ça va être difficile. On va monter un peu le son quand même. Est-ce que le son est bon chez vous? Alors. Allez. Allez. C'est bon là, on a vraiment vraiment du clone de... Qu'est-ce que c'est? C'était une mine! Ben, merci de me l'avoir dit. De Wolfenstein et de Doom. Donc on va garder nos distances avec tout, hein. Ça, est-ce que... Ok. Donc j'imagine qu'il faut qu'on récupère. Alors ça, est-ce que ça pète quand on les tire dessus? Non, ça pète pas quand on les tire dessus, donc il faut que je les évite. Ok, je les ai prises toutes les deux. C'est magique. Alors la vie, elle est où ma vie? C'est la barre bleue, j'imagine, à gauche. Bah là, c'est d'où je viens. Donc on va revenir vers là. La musique est complètement inexistante. C'est pas mal. Ouais, il y a une map, ouais. Ça, c'est pas une porte, c'est un mur. Ah, il me faut la clé. Ah, attends. Moi, ce que là, il faut que j'appuie sur le bouton action pour la porte, j'ai l'impression. Ouais. Ok. Je l'ai bloqué. J'ai une arme. Qui fait un son de merde. Ok, j'imagine que c'est la clé pour ouvrir l'autre porte. Qu'est-ce que c'est? C'est censé représenter quoi? Ouais, voilà, donc bon, déjà quand j'ai lancé... Merci, merci Terry. Quand j'ai cherché le jeu pour le lancer, j'ai vu la pochette et je me suis dit, ça me pile pas envie. Mais bon, allez. C'est la découverte donc du Full Set Mega Drive, c'est pas uniquement les bons jeux, c'est aussi ceux qui nous plaisent moins. Alors, le jeu. Ah, ok, c'était limité en munitions. J'en ai récupéré là. Après, certains peuvent. Ça, c'est une mine aussi, on va pas lui marcher dessus. Certains peuvent aimer aussi, hein, ça me stresse. Ça me stresse d'avoir un seul axe. Le jeu a eu des. A pas eu des super notes. Je crois qu'il a eu la moyenne. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est pas méchant, ça me veut pas de mal. Mais c'est quand même dingue les avancées qu'on a fait sur les FPS, quoi. Je veux dire. Même au niveau de la 3D, quand Tomb Raider est arrivé et a. Bah,
mine de rien, ça a révolutionné aussi la vue qu'on avait des FPS, quoi. Donc, tout ce qui était Wolfenstein, c'est devenu complètement désuet. J'ai une nouvelle arme. Alors, je me fais attaquer par des espèces de T-800. Ça aurait été sympa d'avoir un peu de musique, non? J'ai toujours l'impression. J'ai l'habitude de faire du pas chassé sur les FPS, alors du coup de pouvoir tourner qu'à 90. C'est dur de revenir en arrière. Oula! Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Ça se ramasse pas, ça? À la porte. Oula, nouveau méchant! Ok, il est mort, ça va. Péter ça. Je sais pas du tout quoi ça sert de le faire péter, mais dans le doute, hein. Ça me donne de la vie, c'est cool. Alors, par contre, ils sont pas radins sur la vie, ça c'est sympa. Un grand couloir sombre et obscur. Ouais, alors ça fait quoi ça? Alors attends. Ah ok, ça meurt quand même un peu, hein. Alors attends. Ah voilà. Ah mais lui aussi du coup il me tire dessus. Ah, je suis mort. Dommage. Ah non, je suis pas mort. Alors, par contre. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je me barre du coup? J'imagine qu'il faut que je revienne au début. Ah, tout le monde est mort. C'est bien, ils te mettent pas du tout la pression. Alors. Alors en plus. Ouais, tu me diras ça, labyrinthe. C'est normal que tu te perdes. Alors, ce qui est un peu dommage du coup, c'est que bah, tu regardes même pas où tu vas. Tu te sers uniquement de la mini-map. Alors. Pas par là. Non! Que j'ai fait? Oh merde! J'ai pété sur une mine. Et tu me feras commencer au début? Ouais, oh, espèce de saloperie. Eh ben ça va être long les 20 minutes. Combien t'en reste? Bon, on a fait un quart. Ouh! C'est un jeu qui est sorti en 94, qui utilise absolument pas la manette 6 boutons. On aurait pu espérer en 94, hein, mais non, pas du tout. C'est vraiment le strict minimum de la Mega Drive. Alors il a un autre nom, aux États-Unis. Il s'appelle Battle Frenzy. En Allemagne aussi, il a ce nom-là. Demandez pas pourquoi, je n'ai pas su le trouver. Peut-être une histoire de droit. Allez, lui, tu meurs. Alors voilà. Si t'avais en effet, si t'avais pas une manette 6 boutons sur Mega Drive, t'avais raté ta vie.
Qu'est-ce que c'est? Et aujourd'hui encore, c'est. Enfin. Ça reste une manette qui est pas facile à trouver. Alors, t'as raté ta vie, t'as surtout raté tous tes combats de Street Fighter sur Mega Drive si t'avais pas une manette 6 boutons. Parce que. Alors, Street Fighter Prime. Bien que ce fût une très bonne adaptation de Street Fighter, appuyer sur Start pour passer du poing au pied. Au secours, quoi. Donc, c'était juste injouable. Après, moi, je l'aime bien, mon petit croissant de lune. La manette 3 boutons avait son charme. Même si Sega s'est quand même bien amélioré avec les années. La meilleure manette Sega, moi, je trouve que ça reste celle de la Saturn. Qui est. Meurt. Qui est, ouais, qui est très cool. Celle de la Dreamcast. Qu'est-ce que c'est? Je suis passé où? Ok. Celle de la Dreamcast restait cool, mais alors je me suis ruiné les pouces sur les jeux de baston parce que le stick était trop sorti par rapport au sol et elle faisait bobo. Attends, t'es mouru. Ouais, c'est bien, on récupère de la vie. Mais ouais, la manette de la Dreamcast avait vraiment l'avantage pardon, l'avantage d'avoir la VMU, et ça c'était juste excellente. Mais la plus, je monte le son du jeu. Alors ouais, je veux bien monter le son du jeu, mais en fait le son du jeu, il y en a pas. Y a rien qui se passe dans le jeu. Le truc c'est que c'est quand même la super galère pour ne serait-ce que pour éviter quoi. Alors. Ok. C'est reparti. Alors, hop. On se casse. Je me guide là qu'à la map. Et du coup, en fait, t'as un écran. Ah, on dirait ça. T'as un écran télé gamin et tu te sers que d'une mini-map. Je vais pas remourir à un endroit. Kier. Elle est où la porte là? Non, c'est en marche arrière là. C'est bloqué? C'est où qu'il faut aller? Vincent, je suis foutu! Alors ça, il est sympa, il me fait recommencer là. Alors, c'est très compliqué. Alors, c'est déjà pas facile de se diriger avec qu'à parler d'éviter, de se diriger à, déjà en temps normal dans ce labyrinthe, mais alors avec la lumière qui clignote, le compte à rebours qui te gêne pas du tout en plein milieu de l'écran là. Je me prends pas tous les murs en plus, j'ai l'impression d'essayer de rentrer à la maison bourré. Allez, 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 allez. Je suis foutu. Ouais. C'était pas génial, hein. Mais oui, comme dit Defray, la Dreamcast avait avec une gâchette analogique, c'était fou quoi.
Bon, allez, c'est reparti. C'est pas fun, hein, comme jeu. Je suis désolé. Pas la joie. Mais alors, la Dreamcast avait fait quelques... Enfin, la Dreamcast. Sega avait fait quelques essais de sa manette, hein, parce que mine de rien, quand on regarde la manette Dreamcast, les premiers essais avaient été faits sur la manette 3D de la Saturn, qui était vendue avec Dreams. D'ailleurs, pareil, qui reste un, entre guillemets, un accessoire très comment dire complètement utile sur la Saturn, hein. Quasiment personne ne l'a utilisé. Moi, Dreams, je me suis jamais servi avec la manette 3D. D'ailleurs, j'ai connu cette manette, j'ai connu la manette 3D de la Saturn bien après. Hop. Et là, tu dis, ah, oh, ils ont fait une manette Dreamcast sur Saturn. Mais en fait, non, c'est qu'ils avaient. En plus, il se planque ce con. Allez, sort. Allez, Bobby. Oui, là, oui. Dream était peut-être beaucoup plus simple à la manette 3D, mais. Le problème, c'est que quand. Alors, je sais pas quand est sortie la manette 3D par rapport à la sortie de Dream, si c'était sorti. En même temps, parce que Dream, si je dis pas de bêtises, c'était un jeu qui était. C'est fait exprès ou c'est un glitch dans la texture, ça? Parce que c'est quand même super vilain. Si je dis pas de bêtises, Dream, c'était un des jeux. Un des jeux du Roadster d'origine de la console. Donc ça voulait dire que tu vendais un jeu du Roadster d'origine, voire un jeu qui était parfois vendu avec la console, avec une manette qu'il fallait acheter à part. Enfin, niveau stratégie, on a fait mieux quoi. On dirait que je conduis un bateau, ouais. Ah, j'ai vraiment l'impression de conduire un poids lourd. Bonus, c'est gentil. Et ça, c'est quoi ça? Ça sert à quoi? J'ai trois boutons à la manette. Puis ça, plus start, ça fait rien. Il y a des bruits. Ok, bon, écoutez. Allez, Merles! On a clairement. C'est clairement un clone de Doom, quoi, avec. Même au niveau au niveau des monstres, ça y ressemble à s'y méprendre. Allez, on va se retaper le boss. Le jeu était vendu en pack avec la lettre. Alors, écoute, moi j'ai toujours connu en solo. On avait eu. Faudrait que je me renseigne sur Christmas Dream que j'ai aussi et que j'ai jamais vu. Enfin, je crois que le Christmas Dream n'était pas vendu par contre, il était toujours offert ou un truc comme ça. Allez! C'est reparti pour la dose de. Je rentre bourré à la maison. C'est par là. À gauche, je me tiens au mur. J'avais dit que c'était mon dernier verre. Putain. Alors, si les murs pouvaient arrêter de se jeter sur moi, ça serait pas mal. Là, je sais pas où je vais et je me prends des mines. Allez, avance, putain, 16 secondes, ça va être tant d'axes. Et il y avait un poteau en plein milieu, il est pour moi. La mine, non, ça va. Ok, mais du coup... Oh non! Tu veux recommencer là? T'es un enfoiré.
te déteste. Ça va, on arrive. Eh ben voilà, bah écoutez, c'était la fin. C'était la fin, malheureusement. Donc, 67 secondes. Allez, un dernier run pour la forme. Et après, on va s'arrêter là et on aura vu un niveau. Mais bon, alors c'est 12 niveaux labyrinthiques. Je pense qu'ils sont tous pareils. Donc, si vous trouvez ce jeu-là, autant Demotion Man était une bonne surprise. Si vous le trouvez, achetez-le parce qu'il est super cher. J'ai voulu me le faire péter. Et il est à 200 balles sur eBay. Autant celui-là, si vous le trouvez, je pense que vous pouvez aisément passer votre chemin. Ou alors à jouer bourré. Allez, allez, je l'ai pas. J'arrive même pas à ouvrir la porte. Allez, 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 allez. Allez, bien sûr, je me prends la mine. Non, mais c'est pas faisable. C'est pas faisable. Night juillet 96, d'accord. Bon, bah écoutez, voilà, c'était la fin. Oui, j'ai atteint le premier niveau. Merci, les gars. C'était donc Bloodshot sur Full 7 Mega Drive. On se retrouve pour une prochaine émission. Merci d'être venu. Et puis à plus tard. Ciao, ciao.